Maman, il joue avec le fusil, Ernie. Ernie, laisse ce fusil tranquille, tu entends? C'est une carabine, mes chéris. Peu importe, c'est une arme et ça sert à tuer. Oh, regardez, regardez, une biche. Est-ce que tu l'as vue, Sarah? Non, je l'ai pas vue. C'est toujours pareil, moi, je vois jamais rien. Dis, papa, oui? Tu voudrais pas essayer d'écrabouiller un animal? Ernie, ne donne pas ce genre d'idée à ton père. Il n'est pas question qu'on ait deux lapins empaillés. Est-ce que j'ai pris ma carabine ce coup-ci? La réponse est non. Mais tu as bien fait, Georges, car je suis tout à fait persuadée que ces vacances en camping resteront celles où Ernie a tué quelque chose et où toi, tu n'as rien tué. D'abord que c'était un homme. Vous n'avez rien, Nancy? Ça va, j'ai rien. Les enfants? Sarah, ça va? Oui. Oh, Georges, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en sais rien, je l'ai à peine vu. C'est sûrement un ours. Oh, c'est peut-être un gorille? Dans la région, ils sont généralement moins gros que ça. Je pense qu'on devrait ficher le camp d'ici, papa. Mais s'il est encore en vie et qu'il souffre, s'il est blessé... S'il est encore en vie, il sera pas de très bonne humeur, je crains. Encore en vie, tu parles, tu l'as réduit en bouillie. Sûrement que ses boyaux sont restés accrochés au pare-choc et que ses yeux pendent par-dessus. Ça suffit, Ernie. On peut pas le laisser comme ça sur la route, en train de souffrir. Restez tous dans la voiture. Non. On a une voiture propre, on est aux petits soins pour elle et il faut de ce stupide animal. Georges, il faut peut-être prévenir un ranger. Non, pas encore. Tu l'as apporté en fin de compte? Tu veux pas que je te couvre? Non. Restez dans la voiture. C'est pour ça que je l'ai apporté. Pour vous protéger. T'avais pas besoin de mentir? J'aimerais bien que tu viennes jeter un coup d'œil. Si ça se trouve. Un quoi?